Oh, c'est insane, putain. Ok, bon, on s'en va. Ciao, ciao. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un roof gap qu'on a repéré il y a quelques temps. Et le truc, c'est que l'atterrissage, c'est sur le toit d'une banque. Et il n'y a aucun moyen de redescendre à part de redescendre en rappel avec une corde. Donc là, on va essayer de s'entraîner un petit peu à voir comment on la met, comment on descend rapidement. Parce que l'idée, c'est de faire le truc de manière sécurisée et du coup, faut le préparer. Bon, on vous rappelle aussi qu'on a sorti une nouvelle collection. C'est la réédition de notre collection WeezyTag. Donc, il y a 3 nouveaux t-shirts et 1 bonnet. Si jamais vous voulez en profiter, le lien de notre site est en description de cette vidéo. Là, on va essayer la technique de la corde pour voir si c'est possible en fait de juste descendre déjà rien que 1 mètre, ce serait pas mal avant de s'attaquer à un truc qui fait 4 étages. Bonjour. Bonjour. On teste juste un truc d'escalade, on a pour genre 4 minutes et après on s'en va. Oui, mais il faut demander l'autorisation, vous êtes dans un EHPAD là. Ok, ok. Bah juste on... Là c'est interdit normalement. Bah on s'en va, on file. Désolé mais c'est une maison de retraite et ouais, ouais, il t'arrive quoi que ce soit Je me sens là. Ouais je sais où. Ouais. C'était hyper vif, je pensais qu'on aurait, on avait au moins genre 5 minutes. Mec, moi ça passe. Je pensais que c'était plus simple. Mais en fait, la corde elle est bien fine. Et du coup, tu la sens direct quoi. Genre, dès les premiers mètres, on va se dire oh putain, ça chauffe quoi. En vrai, ouais, ça fait peur hein, de savoir qu'il y a deux oiseaux là qui vont être dans le vide avec une corde et ils peuvent lâcher. Et... Wouhou ! Gros plat. Mais on s'entraîne avant. Du coup, c'est pour ça que ça marche à chaque fois. On a fait des tests avec la corde. On est plutôt serein. Mais moi, pour l'instant, où je suis pas trop serein, c'est le roof gap. Donc avec Flo, là, on va aller se chauffer, on va aller en faire un autre. C'est ça là ? Ouais. Ah, c'est stylé. Je suis devant un roof gap là. Ça doit faire 2 ans que j'en ai pas fait. Et je crois que ça va partir. On va le faire avec Romain. Ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas fait. Donc ça va faire plaisir en vrai. C'est ça. Allez, ça part les gars. Ça part? Ouais. 3, 2, 1, go! Oh my god. Oh mais pas, c'était n'importe quoi. 3, 2, 1, go! Oh, il est... oh oui, mais il est tout petit en vrai. Mais c'est minuscule en fait. Bonjour. On s'en va. Il y a un bébé qui dort. Ouais bah on y va. Pardon. Désolé. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ça. Le refaire avec Romain là, c'est vraiment incroyable. Pourquoi la petite pression de ça fait longtemps que j'ai pas fait de roof gap? Oh là là, ça fait du bien. De base, on devait aller faire un roof gap de 17, mais Mathieu il nous a dit attendez, j'ai envie d'aller voir un truc. Et apparemment, on peut cliff d'un bâtiment dans une piscine. Il y a une énorme cam en fait. Bienvenue chez moi. Oh. Un petit chiffre. Ouais. Ça arrive. Ok. T'as touché? Ouais. C'est good.
Bon, ouais, ça sert à rien de rester plus longtemps. Il s'est remis en jambe, le sanglier. J'ai la corde dans le sac, là. On va monter déjà, voir le départ. Voir le saut, et puis bah... voilà et bilaï, hein. Voilà et bilaï. T'as peur un peu pour le saut, quoi? Ouais, le saut, ouais, un peu, quand même. Bah... là, tout à l'heure, j'en ai fait un, et l'élan, j'ai pas trop, trop kiffé. Mais je me dis que ça passe. Parce que c'est juste, ça fait longtemps, en fait, que j'en ai pas fait. La montée, c'est par des balcons. Donc il faut qu'il y ait personne au balcon. Sinon, c'est mission fail. Et une fois qu'on est là-haut, bah, let's go. On se déterre. Tu vois, là, il y a la poutre qui revient, là. Pour moi, on la passe là, dans le petit trou, là. Lui. Et après, on la tire. Tac, tac. De, ouais, de chaque côté. On vient de monter avec Romain et il y a une petite marche tout à l'envoi. Donc c'est un truc à prendre en compte. Et le saut, c'est ça. Ouais. Non, faut le faire là. On va le faire là. J'ai mouillé. Ouais, non, c'est bon. Faut courir sur les cailloux. Non, mais ça se fait. Je fais un élan. Ok. Vas-y, 3, 2, 1. C'est crème. Yes, c'est crème. Vas-y, on voit le sac. Allez, Romain. Un, deux, trois, et pam. Ok. T'as vu où j'ai atterri? Oh, c'est insane, putain. Yes. Oh, oh. Allez, viens. Yes. Yes, ça, putain. On l'a fait tous les deux. Ça s'est trop bien passé. C'est quand même un 16 pieds, donc c'est pas rien. Et là, on va installer notre corde pour descendre en rappel. C'est la partie la plus compliquée. Parce qu'on n'a jamais fait ça, descendre avec une corde un peu à l'arrache, là. Mais ça devrait le faire. Je vais aller les aider. Avec le mur. Faut se dépêcher un peu parce qu'il y a pas mal de gens qui ont vu, du coup ça se trouve. On s'est fait niquer. T'as peur? Ouais. Allez mec. C'est maintenant. Yes. Bon, je tiens un peu la corde pour les aider là. Yes. Dernière étape. Dernière étape. Attention. Oh putain. Yes. Ouais, la fumée. Ah, je me casse. Putain, énorme comme mission. Ça fait bien plaisir. Le plan s'est déroulé parfaitement maintenant. On se casse. Hop, on est là, là. Hop.
Wouh ! Allez, faut courir ! Il y a quelqu'un qui a voulu nous arrêter. Et malheureusement, il a eu Vlado. Mais moi, je me suis barré parce que j'allais plein de drones et tout. Au moins, j'ai save plein de clips. Vas-y, trace Vlado ! Je viens, ils viennent pas vite. Ouais, gros dunlop, mec. Oui, c'est privé là-haut. Vas-y. Dunlop de ouf là. Qu'est-ce que vous faites là-haut là? On fait du parcours. Ouais, mais là c'est privé ici, vous avez rien à faire. Ok, bah on s'en va. En fait, on venait. On fait juste là, on fait les deux battements. On fait juste le saut, je suis d'accord, mais vous avez rien à faire. Après, c'est privé. Si vous cassez la gueule ici. Allez, bien. Ciao, ciao! Bon. Là, on arrive à une étape, quand on se fait niquer comme ça, il faut qu'il y en ait un qui se barre. Et au moins, il peut planquer les cartes SD. Hop. Planquer la carte SD dans un petit autocollant. C'est bon, un deuxième qui a survécu. C'est chaud, c'est très très chaud. En fait, on est, bah, quand on est tous descendus, après on est parti, on est parti à 3 avec Mathieu et Flo. Mais le problème c'est que Vlado il s'est fait choper. Du coup eh ben, on a dû retourner, moi je suis retourné avec Mathieu voir les mecs justement. Et pour bah, voir avec Vlado, voir si on, bah, on pouvait négocier et etc. Et en fait on est arrivé et Mathieu il a fait à Vlado, on se casse, on se casse, on se casse. Et du coup on est tous les trois partis en courant, sauf que les deux sont partis dans un sens, moi dans l'autre. Mais par contre du coup bah, les deux autres, je sais pas où ils sont, Vlado et Mathieu là. J'espère qu'ils se sont pas fait péta, parce que s'ils se sont fait péta. On est à la porte, ils rentrent à pied, bah conduire au moins. Ils rentrent à pied. Bah du coup c'est bon, ils se sont barrés, du coup nous avec Romain on va rentrer en voiture. Et eux ils rentrent à pied parce que c'est pas très loin de l'appart à mon peuple. Wouah, c'est genre d'escape les gars. Bon normalement on s'est arrêté, on explique un peu. Mais là, je sais pas, j'avais envie de courir. Ah, mais surtout, il était grave agressif, le mec. Ouais. Il commençait à me pousser et tout. Moi, je prenais juste une vidéo, j'ai rien demandé. Putain. Du coup, vaut mieux courir comme ça, ça évite de gueuler, ouais. De faire venir les flics pour rien en plus. De ouf. Tout le monde allait se déplacer pour rien, on a rien dégradé. Voilà. Oh, ça fait plaisir. Oh, je suis trop content. Ça fait longtemps que j'avais pas partagé un gros gap avec Romain. Ouh, ça fait du bien. Bon, on se retrouve pour une prochaine session. Ciao.